Content de vous revoir, nous avons préparé quelques quêtes et récompenses pour vous remettre le pied à l'étrier. Je pousse mon truc. Je fais juste un petit tweet corporate. Voilà. Hop, on revient sur le jeu. Donc, qu'est-ce qu'il raconte ? Faucheur de paquet. Votre édition de Diablo 3 Reaper of Souls vous permet d'obtenir un paquet, bah dis donc. Si ça c'est pas beau. Mon niveau sur Hearthstone, pignouf. Deux paquets ont été ajoutés à votre compte en dehors du jeu. Je vous ai préparé trois quêtes pour commencer. Voici la première. D'accord. Putain, mais d'entrée de jeu comme ça, il me saute dessus. Trois adversaires vous attendent. Oui, alors déjà, tu vas vite te calmer. Je voudrais revenir en arrière, s'il vous plaît. Je peux revenir en arrière ? Ah voilà, on va éviter de faire galérer mon ordi. Qualité moyenne, un écran. Bon, voilà, de suite c'est beaucoup mieux, mon ordinateur souffre un petit peu moins. Ok, ça c'est bon. Par contre, je voudrais revenir à la... donc... Oula, tout ça, c'est vous qui m'avez ajouté, c'est ça? Allez, bim, maniaque, rose de flamme, Sterberk, Zako, Lucky, Elita Monkey, Brox Arken, Anivas, voilà, vous êtes tous... dans le game, tu veux pas me laisser ouvrir mes packs de cartes par hasard, nom de Dieu? Bon, on va aller jouer alors. Triompher des trois adversaires. Je me souviens plus. Du tout. Comment on joue? Pense à prévoir 40 euros pour jouer la nouvelle classe sur Diablo. Sheena contre Aleria. Je sais même plus si j'ai Diablo en fait. Elita Monkey maintenant, blablabla, j'ai pas vu. Alors. Quoi? Je me souviens plus comment on joue. Aidez-moi. Main de départ. Remplacement des cartes. Alors charge, lui il est bien. Inflige 3 points de dégâts à un personnage et le gel. Une fois que votre adversaire a joué un serviteur, on invoque une copie. Ça c'est bien ça. Bon, je garde les 3. Des nouveaux petits décors fort sympathiques. Oh, on peut toucher les trucs. Ah merde, je l'ai fait tomber. Ah c'est à moi, pardon, excusez-moi. Je n'ai pas assez de mana. Comment ça t'as pas assez de mana? Ah oui, il faut que... pardon. Chaque fois que vous lancez un sort, gagne plus 1 en attaque. Travail terminé. Travail terminé. Aïe. Cri de guerre. Détruit... quoi? Détruit l'arme de votre adversaire. Ça, c'est bien. Inflige 3 points de dégâts à un personnage et le gel. Nique ta mère! Mais j'ai pas détruit son arme. Ah, mais l'arme, ça va là, bordel. Bon, vous allez sûrement rager de ma façon de jouer. Mais putain, mais t'as charge toi aussi! Ça c'est quoi? Ah oui. Prêt à partir. Tiens, dans ton fion! Je joue contre l'ordinateur, j'ai absolument aucun mérite à ce que je fais quoi. Ah! Oh! J'aide tous les personnages, les autres, d'accord. Salut! Garde mon acier! Travail terminé! Bon, après ce tutoriel que le jeu m'oblige à faire, bien sûr, on jouera ensemble, les amis, vous inquiétez pas. Salut Théoz, je t'avais pas vu. Ah oui, je redécouvre complètement quoi. Oh, c'est pas mal. Hein. Voilà. OKLM. Quoi, secret? Ah.
Cool. Ta mère. Ah oui, j'ai oublié de changer, putain. J'ai oublié de changer le nom du jeu. Non. Alors, je regarde même pas si je me fais tuer, là. Voilà, c'est bon. Alors, ok, il m'a tout pété. Vous coûte, vos sorts coûtent un cristal en moins. Cri de guerre détruit l'arme de l'adversaire. Ah ben. Tu veux bien faire ton travail? Voilà, merci. Je serai capitaine. Tiens, dans ton cul. Oui? Ça servira à rien, il le verra pas. Voilà, je lui ai mis un glaçon friandise dans la bouche. Oh oui! Ah merde, j'ai pas assez de points d'attaque du coup. Ah, voilà, ça c'est fait. Yeah. Ah mais je suis niveau 16. Non, même pas. Je sais pas. Ouais, j'ai à moitié... j'étais vraiment pas concentré sur la partie parce que comme je suis persuadé que c'est un truc à la con que le jeu t'oblige à faire parce que... Regarde, il y a les nouveaux persos, ça fait peur. En plus, il laisse même pas choisir mon deck. Ça m'emmerde. Jaina contre Morgul. Parce que Morgul, il existait pas avant, enfin dans le premier Hearthstone. Ça fait au moins facile 2 ans que j'ai pas joué. Vous l'avez cherché. Alors voyons, vous piochez 2 cartes. Oui. Oui, ça me paraît bien. Bon, je vais pas jouer le cri de guerre, ça ne sert à rien d'entrée de jeu, hein, vu qu'il n'a pas d'armes. J'ai envie de dire. Travail terminé. Voilà. C'est quoi ça? Oh. Qu'est-ce que t'es, toi? Furie des vents surcharge. Élémentaire d'eau. Ah, dégage. Merci d'être venu, hein, c'était sympa. Hein. Alors, inflige 3 points de dégâts, réparti. Non, ça pour l'instant, piocher 2 cartes, charge. Oh, allez, une petite charge, hein, pour te mettre un petit taquet dans la boubouche. Voilà, c'est un petit tir, un coup de semonce. Panda top FR. Au moins. Au moins top FR à Hearthstone, quoi. Oh putain, je les aime pas ceux-là. Bouclier divin, mes couilles, quoi. Parce que ça, ça va servir à rien, quoi. Ouais, je vais piocher 2 cartes, on sait jamais. Ouh! La boule de feu. Putain, mais j'avais pas un truc plus intelligent que ça à faire, sérieux. Putain, toi, dégage, voilà. Genre, pour leur donner de la force à tous les deux, parce que j'adore... En fait, il y a une époque où je jouais beaucoup avec des decks verts, et j'adorais avoir un maximum de boucliers divins dans mon deck, parce que ça faisait chier à mon adversaire. Salut, Apathique. Six points de dégâts.
date de mon assiette. Voilà, tu le lis parce qu'il va me faire chier. Travail terminé. Pas de panique, mon chou, la cavalerie est arrivée. Ah putain, il a la charge, enfoiré. Ah vas-y, ça balance du totem, ça y est, c'est la fin. Ah putain, il me met des boucliers divins de partout. YOLO! J'ai un pote qui me parle en même temps. Ah, c'est bien ça, j'ai fait sauter les boucliers divins. Alors, non, parce que c'est un ami à moi qui était dans des vidéos aussi d'ailleurs. Qui me dit, ah, tu t'es remis à Hearthstone, mais si je joue contre lui, c'est même pas la peine en fait. Ça va être de la boucherie. De la boucherie organisée. Je n'ai pas assez de mana. Ah merde, j'avais pas fait gaffe. Voilà, nique ta mère. Ça pour l'instant ça me sert pas à grand chose. Toi dégage. Voilà, j'ai niqué ta défense. Je suis le bras armé de PS. Bon, en fait je voudrais pas passer ma vie sur toi, je voudrais jouer contre les abonnés s'il te plaît. Voilà, au revoir. Les moutons. Et tu dégages. Ah, putain, le son du mouton c'est horrible. Pas de panique, mon chou, la cavalerie est arrivée. Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Quelqu'un a demandé un docteur. Alors déjà. Putain, ça m'a énervé qu'il m'ait j'aime pas qu'on me détruise mes serviteurs, quoi, ça me fait chier. Arrête avec tes totems, tu te fais du mal. J'espère que vous aimez mon invention. Putain, il se rend des points de vie, ça. Pour ça. Tiens, dégage. Travail terminé. Toi, par contre, j'ai des grosses cartes qui font des gros bobos. Hein. Passez-moi cette clé plate. Ah, voilà, je vais enfin pouvoir jouer mon machin de limon là. Ah, il se met bien lui hein. Tu sors d'où toi? Voilà, dégagez tous. Toi tu viens, tu me détruis cette arme de merde. Et toi tu lui mets un tampon, voilà. Travail terminé. Pas déconner toute la journée non plus. Je l'ai très vite calmé. Une fois que ton adversaire a joué un serviteur, on invoque une copie. Non mais je vais te mettre ça dans le fion, ça va te calmer un peu parce que là t'es en train de me prendre la tête. Gardez les yeux ouverts. Salut Levine, je sais pas comment on dit ton nom, je suis désolé. Salut GG Dalf. Alors attends, est-ce que je peux tout jouer là? Non. Alors, on se fait un petit secret, pépère au calme. Chaque fois que vous lancez un sort... Ah putain, j'aurais dû le lancer avant, bordel.
Salut Echo. Gardez les yeux ouverts. Oh, on est pas mal. Vas-y, invoque-moi un truc sympa. Ah. Ouais. C'était pas le meilleur emplacement, mais c'est déjà... Ok. J'ai presque envie de tout jouer là, ça servira. Hein. Tiens toi, casse-moi le bouclier là. Merci. Laissez à ce serviteur un tour pour se préparer. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ouais, la quête c'est casser trois bottes. À mon avis, c'est pour que tu te remettes dans le bain. Quand le jeu estime que ça fait très longtemps que t'as pas joué et que tu vas te prendre des fessées en bilatéral, quoi. Bon, on est parti. Je peux pas changer mon deck sans déconner, quoi. Gina contre Barbe de Bronze. Allez, c'est le dernier. J'avais cherché. C'est le dernier bot. Oh, c'est les petites cartes, ça, je vais les garder. C'est le dernier bot à battre. J'espère que je vais le battre vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Inflige 10 points de dégâts. Là, c'est pour dire, il y en a assez. Travail terminé. Salut Miss. Alors... J'aurais pas dû faire ça, c'est complètement con. Ça va, c'est bien. Pardon, excusez-moi, j'étais pas concentré. Je n'ai pas assez de mana. Date de mon acier. Vous ne passerez pas. Comment oses-tu? Putain, 4 points. Ça sert à rien de le geler, putain, je suis con. Ça avait rien de le geler, il avait pas d'attaque ce gland. Ah, il faut que je m'y remette. Hein. Ça, c'est très bien. Parce que du coup, il perd son pouvoir de merde qui m'aurait fait très très mal, quoi. Ah bah, il est terminé. Moi tes mots à l'oreille. Ah, je me suis fait attaquer par un mouton quand même. Tu pourras faire du bien. Ah, la partie, tiens. Salut Euphrasine. Travail terminé. Prêt à l'action. Oh l'enfoiré, ça c'est bien joué. Quoique. Quoique. Ah non! Putain, je me fais sortir par un mouton de merde! Mais. T'avais que 2 points de vie? Oh putain, il en a 2 quoi. Ouh.
combat de DP. C'est bon, ça va, sinon tu te mets bien. Hein. Êtes-vous prêt pour ça? En fait, j'essaye de le descendre à 10 pour pouvoir lui lâcher la méga boule de feu à la fin. Oh l'enfoiré. Mes ancêtres veillent. Non mais en fait j'ai pas envie de passer la soirée à jouer contre lui quoi. Voilà, barrez-vous. Merci. Toi, barre-toi. Je t'ai défoncé toute ta défense en 2-2, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Mais putain, mais barre-toi avec tes provocations! Putain, l'enfoiré, il me bloque ma carte. Gardez les yeux ouverts. Bon, je vais tout sortir, je m'en fous. Ouais. La Pandarie sera à nous. Oh putain, mais il se cache, ce con, quoi. Ah, ça m'énerve. Voilà, tu m'emmerdes. Oh putain, prochain tour, je te tue, quoi. C'est l'heure des sorts, de beaucoup de sorts. Ah, je m'en fous, le prochain tour, je te tue, quoi, ça suffit. C'est beaucoup trop long, quoi. Voilà, tiens, pour t'emmerder. Oh, c'est chiant, hein. Oh putain, j'aurais pas dû jouer ça. Bordel. J'étais tellement content d'avoir des cartes provocation que j'ai oublié que j'avais ma méga boule de feu. Orage Ultrascope Full HD, quoi. C'est pas grave, tu te fais tuer par une sous-merde. Là, c'est fini. Oula, ça rame. Ouh, il y a eu un gros lag là, mon ordinateur il a fait nope. Oh, mais. Oh là là, putain, il en peut plus, mon ordi là. Alors attendez, parce que là il y a un gros souci avec l'ordi qui fait du caca. On va baisser la résolution. De la caméra. Si ça veut bien. Voilà, là je suis encore plus petit que plus petit, quoi. Regarde. Ah, coucou, je suis coincé! Aidez-moi! Voilà, j'ai baissé un petit peu la res de la caméra parce que là, mon ordi a fait pop pop, qu'est-ce qui se passe, quoi. Bon, j'ai fait de l'argent. Vaincre les 3 adversaires, paquet bonus, c'est la fête. Donc là, pour les 40 minutes de live qui restent, on va pouvoir jouer les uns contre les autres. Les uns contre les autres. Je peux choisir mes decks, faire quelque chose, s'il vous plaît. Nouveau mode de jeu standard. En mode standard, seules les cartes les plus récentes peuvent être utilisées. C'est bien. C'est très bien. Est-ce que je peux sortir de l'année du Kraken? Les cartes pouvant être utilisées en mode standard changent chaque année. Voilà, là j'ai mes dés. Mais... Ah. Là je suis en mode Kraken. Quête spéciale, mais arrête! Jouer 30 cartes en mode partie. Arrête. Voilà, je vous ai créé un deck. Essayez-le vite. Non. Voilà. Bon.
Comment on fait déjà pour revenir? Putain, mais je me souviens plus de mon deck. Voilà. Alors, comment on fait? Ah mais non, attendez, j'ai des paquets, on va avoir des paquets, bah oui. Alors, élémentaire délire. Qu'est-ce que c'est que ça? Esprit farouche. Bah, en même temps, ça sert à rien que je les ouvre là, les packs, parce que... je vais pas les installer maintenant, si on veut pouvoir jouer un peu. Confère +4/+4 à un serviteur allié jusqu'à la fin du tour, puis il meurt de façon horrible. Alors, attends, on va revenir. Donc ça, on verra plus tard. Merde, en fait, je lis pas les trucs, putain. Jouer contre l'adversaire de votre niveau, lancer... Alors... Bon, Elita, puisque tu m'as bassiné, tiens, tu vas jouer duel standard, duel libre. De faire duel standard, j'ai pas. Voilà, allez, c'est parti. Il fait extrêmement froid aujourd'hui, c'est horrible quoi. Alors, par contre, putain, je me souviens plus qu'est-ce que je prenais comme deck. Je crois que c'était le druide 16. Je crois que mon jeu préféré c'était le druide. Ouais, je suis niveau 21, on va essayer ça. De toute façon, ça fait tellement longtemps, je vais me faire plier le cul. Ok, c'est cool. Elle coupe le stream, comme ça elle ne peut pas me stream hack. J'aurais dû prendre libre, j'aurais eu accès à toutes les cartes. Ah. Bah, j'ai serré libre. La victoire ou la mort. Je dois protéger la nature. Je dois aller faire caca derrière un sapin. Clac, en fait... non, toi pas pour l'instant. Ça non plus. Ok. Confère. Oh non, non, plus armure. Ok, c'est mieux déjà. Bonjour. Comment on fait déjà pour faire les imocs? La nature se dressera contre vous. Voilà, j'ai pas peur, j'en vois. Donc ça ne me sert à rien. Confère un cristal de mana pendant ce tour uniquement. Et du coup, ça me permettrait de rien jouer, donc voilà. Donc là, je fais oups, pardon. Une erreur naturelle. Portail d'invocation ouverte. Oh putain. D'entrée de jeu. Toi, je sens que t'as des cartes pétées. Des cartes pétées du fion. Donc ça, je ne peux pas le jouer. Ça non plus. Salut Lug. Merci à toi. Tiens, on va jouer ça. Comme ça, pouf, je sors mon petit gorille provocation. Voilà, parce que j'ai pas envie que tu m'en mettes plein la tronche d'entrée de jeu. Prêt à partir. Ah putain, j'avais prévu des trucs. Ah mais j'ai rien du coup quoi. On va faire ça pour le prochain tour, là ça me servira toujours. Ça me sert à rien, j'ai pas de créature, putain. Ça commence très très mal. Tu bluffes Martoni. Ah ouais, si vous pouviez éviter de stream hack, je peux pas vous en empêcher physiquement, hein. Je peux pas venir chez vous vous mettre une tarte pour dire de pas le faire. Mais essayez de ne pas tricher. Mettrez ça sur votre... Oh putain, il est stylé celui-là. Il est stylé, le maître panda. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, des créatures? Alors, inflige 3 points de dégâts au roi adverse et rend 2 points de vie à tous les personnages alliés. Donc toi, on te sortira plus tard. Gagnez 2 cristaux de mana pour ce tour uniquement. Que faire? Il ne s'en relève pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis assez content, même si je sais qu'en 2 secondes elle va me défoncer la tête. Je le sens venir, hein. J'ai pas peur.
Je me suis pris 4 défaites sur Gwent. Je peux survivre à 4 défaites sur Hearthstone. Prêt à partir. Putain, j'aime pas quand on me tue mes bestioles. Un tir, un mort. Ok. Tu veux jouer comme ça. Quoi vous regardez ? Je me fous de l'armure. Je me fous de l'armure, là, mes cheveux font n'importe quoi. Là. Salut Megan. Ah, elle a un super deck, putain. Moi, détruire. Ah putain, mais ça sert à rien, quoi. Serviteur avec provocation mondaine. Travail terminé. Je fais n'importe quoi. Pour le chef de guerre. Putain, elle détruit toutes mes défenses, mais tellement rapidement, quoi. Elle est pas inquiétée, hein. Je lui ai enlevé 3 points de vie en début de jeu et puis depuis... Les portes sont ouvertes. Bon, je vais pas le taper, putain, on chie avec ces provocations là, merde. D'une bénédiction. Parce que là, il me reste 10 points, balancer 2 attaques, donc j'ai perdu. Allez, comment on arrête la partie ? Capituler. Je vous concède la vie. Mathématiquement, ça sert strictement à rien que je m'emmerde à faire un tour, puisque elle me défoncerait comme il faut. Bon, je fais pas une revanche, hein, voilà. Contre qui je vais jouer ? Tiens, Brox Arcane, il arrête pas de me défier depuis tout à l'heure. Ah ben il est plus là. Ah, je peux pas. Alors, Ah d'accord, bon. C'était plus rapide.
Putain, mais du coup, j'hésite. Je me souviens plus du tout. Quel était mon type de jeu, quoi. Je crois que le chaman, c'était pas mal, mais... Oula, je me fais spammer de messages. Attendez les gars, parce qu'il y a un gars qui m'a déjà invité, Brox Arcane, t'arriveras après. Et Dragonphone aussi. Malfurion contre Gul'dan. Votre âme sera à moi. Ah, je sens le four en face. Et bienvenue Drus, c'est à moi? Bienvenue. Je peux rien faire avec ça, bordel. Voilà, ça commence très fort. Oui, tout à fait, oui. On va faire ça pour avoir un tour d'avance, mais... C'est parce que c'est vraiment tout ce que je peux faire pour l'instant, quoi. Pourquoi cet appel ? Putain, je déteste les gars qui ont provocation, quoi. Fait surtout quand moi j'en ai zéro. J'ai zéro provoque. Ah oui, vous pouvez être en mode spectateur, hein, tant que vous trichez pas quand vous jouez contre moi, je m'en fous. Que faire? Ah ben non, Dragonlord, commence pas à m'envoyer des trucs, quoi. Commence pas à m'aider. Ah, je suis pauvre en deck, quoi, c'est ouf. Sont ouvertes. Voilà, moi je serais pas Fanny, je vais enlever 5 points de vie. Le serviteur coûte 2 cristaux de moins, mais jamais moins de 1. Putain. Es-tu mon maître ? Donne plus de à votre cotton. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Salut Dark Kronos.
Ils ne s'en relèveront pas. Tiens, je te fais des bobos. Adieu. Voilà, je me fais pas... Quoi, tentacule, toi, tentacule. Je me fais pas défoncer comme contre Elita. Voilà, je t'ai enlevé des points de vie, au moins. Très cordial. Cordiaux. Oh putain, c'est quoi ce monstre de ouf? Je le savais qu'il me préparait un truc. Ça me paraissait trop facile, je savais qu'il me préparait un truc d'enfoiré. Quoi. Pour le coup, je vais faire pouet-pouet sur le canard. Un tir, un mort. Du coup, je vais pas attaquer ta merde là, parce que ça me fait chier. Sont ouvertes. Tant de possibilités. La colère, la haine, la peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais moi j'ai que de la merde dans mes cartes quoi. Ça, le problème, c'est que moi, il me sort que de la bouse, alors que j'avais farmé pendant très longtemps des cartes relativement cool. Je m'en fous, je continue à te taper, hein. Je me suis dit, tant que je peux te faire baisser, voilà. J'ai pas été ridicule avec mon petit deck de merde, donc je m'en fous. Oh. Moi, je joue avec les potions, vas-y. Il me ressort une provocation en face, quoi. Alors, de toute façon, attends, il a 10 et 8, 18, ouais, c'est bon. Prochain tour, moins que je sorte une carte de porc, quoi, il me défonce, quoi. Voilà. J'ai pas peur, j'en fous, je continue. Peur de rien, m'en bats les couilles. De toute façon, là, normalement, deux attaques, il me défonce.
J'aimerais tellement qu'il y ait ma carte de one shot à 10 points qui sorte là. Non mais là je vais être obligé de capituler. En fait j'aurais vraiment voulu que ma carte moins 10 points sorte pour le one-shotter. Et que qu'il perde la partie. Mais bon. C'est pas grave. Bien joué. C'est pas très grave. Je sais que lui je rejouerai pas avant bien longtemps parce qu'il est en mode ultra hardcore agressif et que pour l'instant j'ai pas le niveau pour m'attaquer à ce genre de personnage. Donc voilà, je vous ajoute. Brox Arcane, je t'avais promis une partie. Pourquoi je ne peux pas ? Voilà. Du coup, je peux... Putain, mais c'était quoi que je jouais, quoi ? Deck prêtre. Je vais essayer mage, hein, on sait jamais. De toute façon, je suis pas à une défaite près. J'ai envie de dire. Voilà, mais après, libre à vous, là, il y a eu des soldes, hein, d'acheter une billet 2K17 et on se touche, quoi. Non, parce que le mec a joué sa vie, en fait, en face. J'ai l'impression qu'il voulait vraiment gagner. Il a gagné, hein, de toute façon, il a mérité amplement sa victoire. Mais voilà, c'est pas la peine de vous la péter. Ben... C'est pas mon level le plus haut, mage, parce qu'elle est niveau 16, alors que le druide, je suis niveau 21, tu vois. Mais de mémoire, il me semble que j'avais chasseur aussi. Il y a chasseur ou pas? Je me rappelle plus, en fait. Mais il me semble, oui, que mage, je jouais beaucoup avec à une époque. Je l'avais pas levelé des masses, mais je m'en tirais beaucoup mieux avec. On attend toujours Brox Arcane, hein, qui a l'air coincé. Mais bon, si ça vous amuse de jouer contre moi, on fera d'autres lives où on jouera Hearthstone. Gwent, pour l'instant, vous n'êtes pas assez nombreux à l'avoir. Alors, j'ai demandé, grâce à mes contacts, j'ai demandé à CD Projekt, en fait, si à l'avenir, ils pourraient m'envoyer quelques clés de la bêta à vous distribuer à vous. À mon avis, ce que je ferais, s'ils me donnent des clés, je les balancerai sur Twitter et le premier arrivé, premier servi. Il est plus là. Oh. Bon, bah on va prendre quelqu'un d'autre pour jouer, c'est pas grave. Ah, il y a encore des gens. Ah, attends, qui c'est tout à l'heure qui me dit qu'il voulait jouer? Mais. Laissez-moi choisir mes adversaires! Ah, bah, il y a Dragonlon qui voulait jouer, voilà. Allez, viens la monter. Alors. On va dire mage, niveau 16. Il n'y avait pas chasseur à une époque. Ou alors c'était chaman. Non, c'était clairement pas chaman. Putain, mais je me souviens plus, quoi. La mémoire de poisson rouge, quoi. Mais oui, voilà, à l'avenir, si des fois j'ai des petits creux de jeu, ben... On se fera du Hearthstone ou autre chose, comme ça c'est bien, je peux jouer avec vous pour une fois, c'est pas juste moi qui fais le couillon devant l'écran. Non, je vais tout garder pour l'instant. Ah, quoique... C'est bien d'avoir des bestioles, mais toi je t'aime plus trop, toi je crois que je vais te virer du deck à force. Ouais, ok, ça marche, Tester Maniac. Si j'arrive à refaire marcher tout ce bazar. Ça joue trop vite. J'ai rien compris, ça joue beaucoup trop vite. Putain, il revient dans mon deck, ce con, quoi. Non, pour l'instant, on va pas s'exciter, hein, ouais. Putain, on peut envoyer des flèches. Et du coup, je regarde pas ce qui se passe. On peut manger la tarte. Avec une fois, par contre. Ah, il m'a mis des tartes. Tiens, je t'envoie le Dino Force Power Ranger.
sang et pillage. Alors en fait, je sais pas ce que j'ai fait, pourquoi le truc avec Brock Sarka n'a pas marché, mais je trouvais ça un petit peu long, je me suis dit que tu devais être déconnecté. Dragonlord est de suite dans l'agressivité, hein. Y a pas de... pas de problème. Le fameux deck pirate. Bah écoute, j'ai l'impression, hein, il a que des cartes de pirate. Ils sont relativement rigolotes d'ailleurs. Toi, je vais te virer de là parce que tu me fais grave chier. Et ça sera bien comme ça. Il y a eu des erreurs. On sent que c'est fébrile en face. Ça ne choisit plus de cartes, ça y est, ça ne joue plus. Ah, j'ai rien dit. Vos armes coûtent 2 cristaux de moins. Oh là là, qu'est-ce qui me fait mal, quoi. Ah, ça rigole pas. Il est pas là pour perdre du temps. Ah, tiens, dégage. J'hésite. Bon, attention, avec 10 points de vie, je suis très très mal déjà. Oh là là. Ah mais c'est bon, j'ai perdu. Parce que là, ouais, il va attaquer 2 fois et c'est fini. Oh, je vais l'insulter, moi. Voilà, je le menace. Alors, voyons. On va accepter les gens qui arrivent. Alors attends, Brock Sarkhan, tu m'as dit oui, oui. Putain, par contre, je te retrouve, c'est trop bon. Parrainer un ami. Non. Ah, Brock Sarkhan. Ah, mais je peux pas choisir. Si, gueule standard. Puis-je clôturer la soirée? Oui, bah après, Maniac. Tu feras la partie, la dernière partie d'après, ça sera pour toi. Mais faut pas te la péter, Kalion, hein. Tu as bien joué, c'est bien. Mais voilà, pas la peine d'en rajouter. Si je répète, hein, mais comme Gidias l'a raconté beaucoup, quand il s'est pris 35 points NBA 2K, il l'a moins ramené après. C'est normal de se la péter quand on maîtrise un jeu. Alors. Non, regardez ça, c'est bien. Ça fait beaucoup de parties, tu vois. Si vous m'éliminez rapidement, ça permet d'avoir d'autres parties plus rapidement. C'est très bien. D'entrée, une petite carte goldée, comme ça. Voilà, moi je peux rien faire, c'est très bien. Ça commence dans l'agression frontale. Voilà. Ça mord, ça chicore, ça fait tout. Bon, on va sortir le petit corps crandi, là, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est, ça? Un souffleur. Il a que des cartes dorées. On a utilisé une Mastercard dans le coin. Voilà, dégage toi, tu me fais trop mal.
Désolé, j'ai un peu trop de chance. Faut pas s'excuser d'avoir de la chance, hein. Quand tu l'as, tu la prends. Hein. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, d'accord. Oh putain, il m'a mis un secret. L'horreur, quoi. Oh l'enfoiré, il s'est mis un petit bouclier divin. Alors, qu'est-ce que tu m'as donné? Oh, la lame de nuit, c'est sympa, ça. Oh, je mets une petite provocation, là. Oh. Juste avoir 60 niveaux. Juste avoir 60 niveaux avec un héros. Je peux faire un jet de besoin. Putain, mais c'était lui que je jouais beaucoup là. Ce perso là, c'est qui? C'est un chasseur ça. Sa mère. Voilà, comme ça, moi, je suis pas complètement... Pour moi, le but, c'est pas de me prendre un vieux 30-0. Ah, oh, putain, l'ours. Ah. Ici. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors donc attends, si je réfléchis bien, 5, 6, 7, 8, 9, 10, au prochain tour il me canne. C'est très très bien. Donc ce qu'on va faire c'est toi, voilà, tu dégages. Toi, tu me fais chier parce que t'arrêtes pas de buffer les mecs. De buffer contre les vampires, même. Voilà, quand même, faut pas trop déconner non plus. Ah oui, dévoiler d'autres decks, ok. J'ai pas dû voir le truc pour tourner les pages. C'est bien, je me suis pas fait wiper d'un coup. Je me suis pas fait wiper d'un coup. C'est déjà ça. Hein. Ça, c'est vraiment juste pour t'emmerder. Salut Draken. Voilà, c'est pour te faire passer en dessous de la barre des 10. Non, j'ai pas réussi, merde. Mais voilà. Qu'est-ce que tu fais? Vite, attends, faut que j'arrive à l'insulter. Menace. La magie va vous mettre en place. Voilà. Une guerre terrible. Roxane a annulé le défi, bah, tant mieux pour lui. Donc là c'est 21h57, à mon avis c'est la fin du live. Désolé Tester Maniac, je vais pas faire la partie contre toi ce soir, mais quand je live tous les soirs de la semaine, on reviendra sûrement... comme je live tous les soirs, on reviendra sûrement sur Hearthstone cette semaine, donc n'hésitez pas à m'ajouter... je crois que c'est le SatPanda 2788.
Là, ce qu'on va faire, c'est du gros déballage de deck. Ah, on a un mouton dans la pièce. Salut le locataire. Du coup, vous allez pouvoir dire si j'arrive à piocher des cartes bien, là. Salut le locataire. Quelqu'un qui s'appelle le locataire. Ah d'accord, je crois que tu disais... Non, moi, je te parlais pas à toi. Ben, tu t'as collab, au fait, avec ton locataire, ça. Oh, il est bien celui-là. Qu'est-ce que ça fait surcharge? Tu connais, toi? Les cartes surcharge? Tu me demandes ça, moi j'ai joué 3 fois. Bah oui, mais bon, quand il retourne, coûte 3 cristaux de plus. C'est nul. Ah ouais, mais c'est parce qu'il est bien costaud aussi. RARE! Oui, il faut bien qu'il y ait des avantages à avoir des grosses cartes. Ouais, ouais. Là, il m'a fait RARE! Gagnez un point de PV pour chaque carte dans votre main. Surcharge, je te prive d'un mana pour un tour. D'accord. D'accord, ok. En fait, tout le monde me répond soit dans le jeu, soit sur le chat. C'est multiplateforme ce soir. Ah, rare. Alors, pyromancien sauvage. Après que vous avez lancé un sort, inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Ah. Elles sont cool ces cartes. Tiens, allez, encore une rare. Arcaniste éthérien. Gagne de plus de... Rare doré. Rare doré. Allez. Comment faire un serviteur râle d'agonie? Réinvoque le serviteur. Et une épique. Allez. Écoute, c'était... Ce pack-là était relativement sympa. Je réserve une partie pour le prochain live si possible. Alors déjà, il y aura Tester Maniaque. Il faudrait que je retienne, vous faites confiance à ma mémoire de poisson rouge, Tester Maniaque et sa fille pour la prochaine session. Faut-il qu'il soit là? Voilà, on fait comment? Ah, rare! Échange l'attaque et la vie d'un serviteur. Oh, si c'est un 2-2, c'est vachement utile. Camouflage, assassin de Ravenholt. Non, mais ça peut être bien si t'as genre un mur. Ouais, qui est 1 et 8, quoi. Ouais. Écoute, la pioche était sympa, mais maintenant ça veut dire qu'il va falloir que je passe du temps à arranger mes decks. Et j'ai aucune patience pour ça. Alors voyons. Saccager. Moi, que je fais pas trop de bruit, je prépare. Oh, mais t'inquiète. Je m'installe à préparer. Ah, rare. Égalité. Les points de vie de tous les serviteurs passent à 1. Très bien. Ça, c'est bien. Non, j'espère que c'est en face. Ah ouais, mais attends, c'est une carte paladin. J'aime pas paladin. Mais rare doré. Ah, faudrait que j'essaye, ouais. J'ai eu une rare dorée. Une abomination. Râle d'agonie inflige 2 points de dégâts à tous les personnages. Elles sont stylées les cartes, hein. Putain. Oui, c'est pour ça que j'arrive pas à m'y intéresser, en fait. C'est une version bêta. Ouais, quoi, tu vois, ouais, carrément. Rare. Oh, rare. Explosion de lave. Inflige 5 points de dégâts, surcharge 2. D'accord. Lâchez les chiens. Épique. Épique. Vas-y. Oh la vache. 7 en attaque, 8 en défense. Oh mais c'est chaman, je joue pas chaman. Massacreur du temple. Putain, elles sont... Et j'ai pas chopé des cartes péraves, j'ai envie de dire. La petite souplette avec des filets de mer en l'autre, magnifique. Ouais, la petite sympa. Souplette. Ah voilà, chasseur. Je sais plus si c'est chasseur que je faisais. Pourquoi je peux pas jouer? Ce deck est uniquement pour des parties en mode libre. Une partie libre. Oh, préparez-vous. Vous allez voir d'anciennes cartes. Bon, je comprends pas tout. Alors, nouveau délire Kraken et partie libre, mais bon. Quoi? Alors, il y a des nouveaux modes de jeu. Je pas tout. Quoi qu'il en soit, ben, merci à vous, les gens, d'être passés sur ce live ce soir. On se fera sûrement d'autres parties sur Hearthstone et sur Gwent, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Battle.net, je vais vous mettre ça dans le chat, pour qu'on puisse jouer.
Et quoi d'autre? Et oui, donc je live tous les soirs de la semaine à 21h. On se retrouve, n'hésitez pas à follow sur Twitch et sur Twitter pour savoir les heures de diffusion, mais en général c'est pas 21h. Je vous fais tous des gros bisous, si vous n'avez pas mangé, allez manger, c'est important. Et bonne soirée à tous! Des bisous!